Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons analyser le bilan fonctionnel. Alors, si vous avez un doute sur ce qu'est le bilan fonctionnel, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Alors, ce bilan fonctionnel, on va l'analyser grâce à trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est le fonds de roulement net global, FRNG. Le deuxième, c'est le besoin en fonds de roulement, BFR, et le troisième, c'est la trésorerie nette. Alors, pourquoi calculer ces trois indicateurs? C'est simple, hein. Ça va permettre de détecter des déséquilibres financiers dans la structure du bilan, donc dans l'entreprise, et de trouver des solutions. Alors, le premier, c'est le fonds de roulement net. On va faire le passif stable moins l'actif stable. Donc, voilà mon bilan fonctionnel. Donc, on va prendre le passif stable, 807 698, et auquel on va retrancher 389 680, ce qui fait qu'on a un fonds de roulement de 418 018. Ce fonds de roulement, c'est la partie des ressources stables, vous voyez, la partie des ressources stables qui n'a pas été utilisée pour financer les IMO. Il nous reste 418 000 qui vont permettre de financer le circulant. Le deuxième, c'est le besoin en fonds de roulement. Et là, on va prendre l'actif circulant, donc 336 000, auquel on va soustraire le passif circulant 55 720. Donc, on a un besoin de 280 000. Donc, ce besoin de financement résulte généralement du décalage entre les rentrées et les sorties d'argent. Vous verrez que c'est souvent une des raisons pour laquelle il y a des déséquilibres. Ça veut dire que peut-être qu'on va payer nos fournisseurs avant que nos clients nous payent. Ça veut dire qu'il nous faut de la trésorerie, du coup. Le troisième, c'est la trésorerie. Alors, deux façons de calculer notre trésorerie. Soit on prend le fonds de roulement et on retire le besoin, soit on fait trésorerie active moins trésorerie passive. Donc, ici, si je faisais trésorerie active moins trésorerie passive, c'est très simple, j'ai que 137 000. Mais imaginez qu'il y ait un découvert bancaire, 10 000, mettons, on ferait 137 moins 10 000, donc 127. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui nous donne 422. Alors là, j'ai repris le besoin fonds de roulement moins besoin, 137. Je retombe sur mes 137. Donc ici, quand le fonds de roulement qu'on avait tout à l'heure suffit à financer, 422 000, ça suffit à financer le besoin de 280 000, on dégage une trésorerie positive. Résumons ça avec deux situations. Première situation, on a beaucoup de ressources stables. Donc un capital, des bénéfices, des emprunts, pourquoi pas, et des emplois stables qui sont plus faibles. Donc on va dégager un fonds de roulement. C'était le cas de mon exemple. De l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais au niveau du circulant, on a un actif circulant important, on a un passif circulant pas très important, donc on a un besoin en fonds de roulement. Mais si on regarde bien ici, visuellement, on s'aperçoit que le fonds de roulement permet de financer facilement le besoin. Donc, on a une trésorerie nette positive. Donc là, on est sur une situation, on va dire, correcte. Deuxième cas. Alors, il y a plein de possibilités. Hein. On pourrait en créer 12 pages, hein, si vous voulez. Ressources stables, vous voyez, moins importantes. Emploi stable, à peu près le même. Donc, on a un fonds de roulement qui existe. Mais vous voyez, il est plus faible. Donc, on a moins d'argent à consacrer à l'actif circulant. L'actif circulant, à peu près le même, mais le passif circulant aussi, et le besoin, donc l'actif circulant est un peu plus fort, donc on a plus d'actifs circulants que de passifs circulants, donc on a un besoin important. Et là, on voit le déséquilibre. On a un fonds de roulement pas très important, un besoin en fonds de roulement important, donc on a une trésorerie négative. Donc là, on vient de mettre en évidence un problème. Donc, ce problème, c'est qu'on a un déséquilibre. Alors, comment trouver, quelle solution trouver? Si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on augmente pour que la situation soit plus confortable? Il faudrait qu'on augmente notre fonds de roulement. Comment faire pour augmenter notre fonds de roulement? Soit avoir des bénéfices plus importants, mais ça, c'est plus aléatoire. On peut faire des emprunts. Pour augmenter les ressources stables. On peut faire des augmentations de capital. Et si on augmente les ressources stables, on va augmenter ici notre fonds de roulement
et à un moment donné, ça peut rééquilibrer l'ensemble. Autre possibilité, si on ne veut pas toucher aux éléments stables, c'est de toucher aux éléments circulants. Vous voyez là, le passif circulant n'est pas très important. Ça veut dire qu'on paye nos fournisseurs rapidement, tout simplement parce que la somme n'est pas importante. Alors que là, soit on a des stocks très importants, soit on laisse beaucoup de délais à nos clients. Donc il faudrait, en solution, soit réduire notre stock, ce qui réduirait l'actif circulant, soit augmenter nos délais de paiement à nos fournisseurs, ce qui augmenterait le passif circulant et donc baisserait le besoin. Et à partir de là, on pourra rééquilibrer. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités, hein. Là, je vous en donne que deux, hein, mais vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant dans l'analyse. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur l'analyse du bilan fonctionnel. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.